Bonjour à toi, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire un qui est-ce version rap. Yeah, bienvenue sur le qui est-ce version rap. Qui est-ce version rap. Version rap. Pour cette vidéo, je vais t'accompagner de trois invités, Monsieur Théodore, Monsieur Snaprox et Zouk Maisy. Il va y avoir trois manches, les équipes vont tourner à chaque fois, comme ça tout le monde est avec tout le monde. Le but du qui est-ce, je pense que vous le connaissez, à chaque équipe on attribue un rappeur et l'équipe adverse doit deviner le rappeur de l'autre. L'équipe perdante devra malheureusement donner un avis rap qui te met dans cette situation. Donc voilà, un avis rap un petit peu controversé, un avis musical qui peut faire grincer des dents certaines personnes peut-être derrière l'écran. Donc c'est parti, regardez cette magnifique boîte, on va pouvoir tout de suite commencer, mais avant ça, petit sponsor. Cette vidéo est en partenariat avec Philz. Philz, c'est l'application qui est le plus utilisé par les moins de 25 ans pour faire tout type de rencontres, que ce soit amicales ou voilà, un petit peu plus épicées, on va dire. Je suis très content de bosser avec eux parce que pour une fois, c'est pas un système de swipe, etc. Et là, je trouve que sur l'application, il y a un côté beaucoup plus humain. Lors de ton inscription, tu vas pouvoir choisir si tu vas rencontrer des hommes, des femmes. Et après, tu peux avoir quatre possibilités. Elles sont là, face à moi, sur ce magnifique jeu de qui est-ce. L'ours, si tu veux choisir quelque chose de sérieux. Le chat, c'est pas de prise de tête, tu cherches tout simplement un sex friend. Le lapin, c'est tout simplement si t'as envie de te faire plaisir un petit soir, voilà, et pas revoir la personne après. Et le dernier, celui que j'ai choisi pour mon profil sur l'application, qui est le chien qui veut simplement dire que tu recherches des amis sur cette plateforme. Là, je me suis créé un profil Louis Fitness, un jeu de mots très pourri, je te l'accorde. Mais ce que je trouve très cool, c'est que tu peux mettre certes des photos de toi, mais tu peux aussi mettre des vidéos même, tu peux répondre à des questions pour que les personnes qui swipe sur ton profil en comprennent un petit peu plus directement sur ta personnalité sans engager une conversation. Exemple ici avec un mensonge, une vérité sur moi, j'ai déjà mis le feu sans faire exprès à mon collège ou... C'est moi qui détruis les chiottes au loot, hein, ce fameux mystère du loot qui ne sera jamais résolu, je le pense. À moins que ça soit celle-ci la vérité. J'ai fait une petite vidéo, voilà, pour montrer que j'adore la magie. Attention, préparez-vous, tour de magie incroyable. Voilà, donc les gens comprennent directement que je suis un grand magicien. Après ce profil magnifique que je viens de vous montrer, on va directement passer sur le profil des gens. Ok, donc là, visiblement, on a quelqu'un qui a commandé deux bières au bar et qui est une grande fan de bière. Donc là, en cliquant sur la petite patte d'animal, je vois dans laquelle catégorie cette personne se range. C'est pas un profil qui me correspond, je continue à descendre un petit peu dans les profils et voir les personnes. Le prochain concert que je vais voir, Damso, Laylo, Billie Eilish, Orelsan, L'Homme Pâle, Luigi Pekan. C'est pas un concert, c'est un festival. Ajoutez un message, j'aime tout. Sauf un qui est vraiment naze. Voilà, c'est envoyé. Merci à Philz pour cette collaboration. N'hésite pas à profiter d'un code promo juste en bas en description. Tu y retrouveras aussi le lien pour télécharger l'application. Sur ce, retournons à notre concept. Le qui est-ce ? Attends, vous avez vraiment fait la boîte ? Ouais, t'as vu ? Je me suis chauffé. Bande de salopards. Messieurs, vous êtes prêts pour le jeu ? Let's go. C'est quoi ce bruit ? C'est le train. Faut tirer dessus. Il a ramené des armes, on va les tester à la fin de cette vidéo. C'est chaud les frères, ouais, c'est violent. Première manche, c'est on se met en jeu, etc. Le gage arrivera à partir de la manche 2. Est-ce qu'ils sauront qui on a? Ouais, bah oui. T'es sûr quoi? C'est ça que c'est un peu bien de jouer avec nous. Donc viens, on tente pour la première manche en mode. Ok, vas-y. On dit que c'est une manche. Vous jouez avec nous si vous voulez, vas-y, ça marche. Joue avec nous sur cette manche-ci. PG Boys Club sur le sweatshirt. 17, madame le t-shirt. Ils ont le même truc que nous? Non, bah non. En gros, on doit deviner le vôtre et inversement, tu vois, vous devez deviner celui qu'on a pioché en gros. Est-ce qu'il y a des questions interdites? Interdites, il n'y a pas le droit de demander le sexe et la couleur de peau. On peut imiter la voix? Imite la personne que tu as. Bah non, ça marche pas. Est-ce qu'il est grave connu? Genre, parlez où? Genre, c'est quoi ta base de connu ou pas connu? Bah, genre, il passe à la radio facile, il passe à la télé? Non. C'est une racaille? Une question à la fois. Okay. Alpha One. Non, mais frérot. Direct, il commence à débiter les noms. Pas connu. Et donc là, vous baissez tous ceux qui sont trop connus, tu vois, tous ceux qui passent à la radio. Lui, il passe à la radio. Bon, alors lui, il est trop sale pour passer à la radio. Lui, passe à la radio. Lui, passe à la radio. Lui, je le connais même pas. On a baissé n'importe qui. Non, mais trop connu, c'est genre Nino, toute cette vibe-là. Ouais, ouais, là, on a baissé les de personnes. Platine, quoi. Ah, bah, tous les platines, vous les enlevez. Ils en ont enlevé pas mal. Hein. C'était une bonne question. Hein. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser une question qui est un peu similaire à l'artiste que vous avez, parce qu'il a déjà eu un disque de platine. Et ça marche aussi pour les singles. Attends, reviens, redis-moi un truc. C'était qui? Il a platine. Je sais pas moi. Ouais, peut-être, ouais. Mais la tête de. Est-ce qu'on peut vérifier? Non, il y a moyen. Vas-y, on bouge ceux qui ont pas. Okay. Lui, c'est sûr que non. Lui, c'est sûr que non. Lui, c'est sûr que non. Le Juice, non. Les SRAM, malheureusement, non. Akash, oui. Lala, non. Lala, elle a pas? Non. C'est ma connaître Lala, putain. Elle a un single de platine, tu penses? Ah, je regarde Inch'Allah bientôt. Ouais. Bientôt, bien sûr, mais non. H. Non. H, non. NASA non plus, hein. Si, il a single. NASA, mais t'es fou. T'es fou. Green, il a pas platine. Attends, le feat avec SDM, il a pas pété de fou? Non, pas platine, je pense pas. À vous de nous reposer une question, si vous voulez. Vas-y, snap. Est-ce que... Il ou elle est masqué? Non. Ouais, non, pas masqué. Hein.
Vous pouvez vous concerter hein, avant de poter. Non, t'inquiète, c'est l'instinct de vie. Est-ce que notre rappeur est touché par une certaine maladie qui s'appelle la calvitie? Est-ce qu'il a plus de cheveux? C'est une bonne question, en vrai. Ouais, est-ce qu'il a des cheveux? Il a faux et vrai. Faux et vrai? Ouais. C'est chahi. Plein de rappeurs, frérot. Ils ont des vrais et des faux cheveux? Bien sûr, j'en connais, je tirais pas les blazes. Il a une calvasse, MC Solar, je pense qu'il a une calvasse. Clash Crime, il y a moyen, il a une calvasse. SH, il y a moyen. Non, il a des beaux contours. CH, il a une grande calvasse. Ah, ça tire. Rimka, on enlève. Naza, il a des cheveux? Wesh, Naza, il a quoi comme coupe? Je crois que j'ai jamais vu son, son chapeau. Cheveux Naza, les gars. Ah non, what? Dis voilà. Incroyable. Wesh, vous saviez Naza, il avait des cheveux comme ça? Est-ce qu'il est méga riche? Est-ce qu'il dégage cette image au pire? De riche? De mec, Ah, qui a de l'oseille? Il flexe pas tant que ça, non? Non. Il y a pas de Rolex? Peut-être pas Patek. Et une petite Patek? Il y a moyen, mais bon, il la monte pas trop. Là, on doit baisser tous les mecs qui flexent pas, ouais. C'est ça? Non, tous les mecs qui flexent, ouais. Moi, je flexe. qui flexe pas, qui est très à son honneur. Oh, lui, il est très gentil. C'est très drôle. Ah, mais il est mort, lui. Putain. En vrai, tout le monde flexe, mec. Moi, je pense qu'il faut partir sur une petite technique de fit. Ah, est-ce qu'il a déjà fit avec... avec Jules? Nio, genre. Nio, fin. S'il a pas fit avec Nino, on baisse lui. On baisse lui. On baisse lui. Non, vas-y, est-ce qu'il a fit avec Nino? Google. J'écoute pas, mais je quasi sûr que non. Dayuzi, il a fit avec Nino. Ademo, il a pas fit. Gazo, ça baisse. Niska, ça baisse. Freeze, ils ont jamais fait. Oh non, c'est faux. Ok, nous en reste peu, c'est bien. Bon, c'est elle. Pour moi, ils ont aidé. Ouais, moi aussi. Eh, vous pensez qu'on a qui comme personnage? Mettez en commentaire. Est-ce qu'il ou elle a plus de 30 ans? Oui. Ouais. Rien à voir, mais tu sais que je t'avais vu en concert au Moulin Rouge. C'était pendant le Mama Festival. Avec mon sable laser? Ouais. Je me suis dit, c'est un malade. Mace Windu, seul noir dans Star Wars, le plus fort. Non, je l'ai en plus. Sable violet? Ouais. Dans Star, vraiment, tu l'as sur toi? Ouais, sur tes mains. Attention, si vous le croisez, il peut sortir des sabres laser, faites très attention. Pour établir l'ordre, tu vois. Là, on peut les tuer. Hein. Tu sais qu'on peut vraiment les tuer. Le coup de la drill, c'était pas mal. Attends, parce que la drill, lui a fait de la drill. Lui a fait de la drill. En vrai, viens, on pose cette question. On pose cette question. Est-ce qu'il a déjà posé sur de la drill? Non, je dirais non. Non. Bah, Youssoufa, grand driller. Est-ce qu'il ou elle a des lunettes? Tu fais quoi? Je regarde vos yeux comme ça, je vois s'il a des lunettes sur la photo. Ça se trouve, tu vas voir qu'on l'a baissé. Ouais, il est mort de rire. Je vais péter un job. Non, il a pas. Et si, il a des lunettes sur lui. Ils l'ont pas. Sur la photo, il en a? Ouais, sur la photo, il en a, ouais. Après, peut-être que vous avez baissé la photo, je sais pas, mais. S'en bat les couilles. C'est la street. Oh le jeu. Ah, ça me fume. Laissez tous ceux qui ont des lunettes en gros. Ils sont trop nasses. Est-ce qu'il a un couvre-chef sur la tête? Capuche, casquette, capuche. Non, soit... non. Il a pas? Non. Soit un masque, soit un masque. Ok. Gros, c'est sûr. Non mais gros, j'en suis sûr. Wow. Pff, on l'attend au prochain ou pas? Vas-y, teste. C'est fort. C'est ça fort. C'est shy. Allez, bâtard. Allez. Oh, la tête d'homme, on l'a vu depuis un moment. On commence après, on fait le tir à l'arc là. Ok, juste toi t'es fort. Surtout que là, la vie rap, une popular opinion, il est en jeu là. C'est des questions vénères ou pas? Non, juste tu donnes un avis rap, t'as un artiste que tout le monde aime et toi tu dis moi je l'aime pas et je trouve il est gay. C'est... Ok, d'accord. Ouais. Un chacun genre. Ouais, c'est ça. C'est toi qui m'aimes bien la bague. Ouais. Tiens, Shadow. Tu m'offres ça là? Ouais, je l'offre. Putain, t'es un tueur. C'est rien, c'est matériel. Putain, j'ai un cadeau. What the fuck? Ah, si t'avais Switch, je t'aurais eu. Mais... ah. Bon, c'est bon, vous l'avez vous? Ouais, non, on l'a eu. Est-ce qu'il a fit avec Jules? Ça en enlève plein. Est-ce qu'il a fit avec Jules? Espèce de salopard. Il n'a pas fit avec Jules. Kenny Arcana, elle a fit avec Jules sur le big. Si, sur le big projet là. Ouais, je suis confiance, ma gueule. Kekra, non. Non. Vald, non. Non. Mais il n'a pas fit avec Jules. Donc, c'est les personnes qui ont fit avec Jules que vous baisez. Ah ouais, putain. Ah ouais, Gazo. Dégage, Kenny Arcana dégage. Attends, dans ta tête, tu me déconcentres, frère. Il y a une Naps, il n'y a pas Naps. En vrai, il n'y en a pas tant que ça qui ont fit avec Jules dans le truc, hein, sur ce jeu. Tu peux baisser Maïs. Ah ouais? Ouais. Naza Jules, je me demande. Non, ah non, je pense pas. Bah, je pense en avoir entendu parler, quoi. Putain, mais sur son projet aussi classico organisé, là. Il est sur tous les sons, Jules, ou pas? Ouais, Jules, il est sur tous les sons, je crois. Ouais, il a fit. Il a fit. J'ai une idée. Je propose de dire, est-ce qu'il a fit avec Booba? Ils ont fait Jules, on fait Booba. J'avoue que Booba en plus, il y en a pas mal, je pense. Est-ce qu'il a fit avec Booba? Non. Tous ceux qui ont fit avec Booba, on les enlève. Shy, on enlève. Pas tant que ça. On enlève Caris Green. C'est qui que tu t'écoutes le plus là? Lui, elle. Ah lui, fort.
Ah ouais? Ouais, c'est mon meilleur. Après mes potes. Je pense que le truc de l'âge, c'est pas mal. Est-ce qu'il a. Ouais, c'est ça, regarde, un truc comme ça. Est-ce qu'il a plus de 30 ans? Je l'ai, on va faire le calcul. Il y a même son adresse. Il y a tout. C'est 30 ans? Plus de 30. Ah bah non. Ça dégage. Ouais. Val. 30. Ça... Ouais, dégage. Orelsan, là. Damso, Yous, Benjamin Epps, bah il a 60 ans, non? J'ai 20 ans, je vois le monde comme un 60-naire. Dahuzi, ouais. Rimka, ouais. Kaba, Kaba, c'est le frérot aussi, il est cool, lui, c'est un bon gars de ouf. Franchement, SO à lui. Ça va, on a pas mal éliminé, là, on a fait un bon move. Ouais, un bon move. Est-ce que dans son nom, il y a un espace, quelque part? Ou des points, ou n'importe quoi. Attends, je vais dire un truc vite fait. Ah oui, c'est vrai, putain. Est-ce qu'il a un espace dans son nom? Non. Donc MC Solar, ça dégage. Jadiba, ça dégage. Avec Mina, ça dégage. Alpha One, ça dégage. C'était une bonne question, quand même. Ouais, il en a un affreux. Ouais, c'est une bonne question, parce que regarde, ça enlève ça. Tu sais ce qu'on va faire? On va prendre la même question, frère. Ouais, il y a un espace, non? Ok, bah c'est cool. Du coup, tac. Ok, Ziak, ça dégage. Ok, oui, monsieur. Eh, c'est ta bague, hein. J'avoue, c'était pas mal. Faut que tu la gardes et que tu la donnes à ton fils. Est-ce qu'il a les cheveux longs? Non. Non. Nous, on va faire la question des lunettes. On va demander s'il a une petite paire de lunettes. Ouais. Regarde, tac. Allez. Et hop là, plus de 4. Question qui tout double. Voilà. C'est soit on gagne, soit on se fait baiser. Soit on double. Est-ce qu'il est masqué? Non. Ah ouais. Là, ils en éliminent que deux, mec. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser par deux et on va vous demander s'il a des locks sur la photo. Là. En fait, ça me rappelle quoi? Quand j'étais à l'école et que j'ai pas révisé, le poteau, il était là, tu vois. Et le poteau est là. C'est ma gueule. Ouais, non, il a pas de locks. Ouais, paf. Oh là là. Les deux gouttes. C'est stylé, je trouve. C'est de beaux jeux, ça. C'est de beaux jeux. C'est beau jeu, ça. On peut demander s'il est. Ah non, on n'a pas le droit de faire la couleur de peau. C'est dommage, parce que là, on aurait été bien. C'est pas une barbe, un truc. Ah ouais, Beubar, c'est très bien. Lilo, il a une petite moustache, mon. Beubar. Arrête, toi, moi aussi, j'ai de la Beubar, là. Bah oui. Non, j'ai pas de Beubar. Plein. Même moi. Non, toi, ça va un peu plus. Oh, let's go! Validé! Il a validé, les frères. Let's go, il fait mal de ouf, les bagues. Est-ce qu'il a de la pilosité? Si, là, genre, regarde sur la photo, tu vois. Oh, ouais. Léger, quoi. C'est pas mal, hein. Ouais, t'es fort, hein. Allez, bataille, on gagne. Baisse. Non! Et on partirait bien sur Gizmo. Allez! Dégagez! Rentrez chez vous! Dégagez, là! Viens, on fait un coup de grâce, t'as capté? Genre, là, tu veux dire direct? Non, les termines, tu vois. Tu pensais qui? Ouais, viens, termine. Mais je sais pas. Je sais pas, fais Je sais pas, là, entre les deux. Est-ce que il porte un durag? Non. C'est monsieur ici présent. C'est monsieur ici présent. Voilà. Et là, en plus, c'était une vraie... Là, c'était une vraie manche. Donc là, ils doivent donner un avis rap qui vous met dans la merde. Pas. Ça peut sortir du cœur. Tu peux me dire, du coup, je le trouve nul. Je m'en bats les couilles, tu vois. Je trouve nul. Ouais, il a trop envie de te mettre dans la merde. Il a dit qu'il chiait sur la discographie de Booba. Hein. Je crois que j'ai entendu ça. Hein. Quoi? Il a dit qu'il chiait sur Booba. Il a dit qu'il chiait sur Booba, les gars. On a le Je peux lancer, si tu veux. Nekfeu, tes trois albums, je peux up. Musicalement, je kiffe Nekfeu, tu vois, j'aime vraiment le rappeur. Et tu peux pas écouter le projet en entier. Une pièce forte sur Les Étoiles Vagabondes qui est vraiment. Je ne peux vraiment pas l'écouter en entier. Moi, j'aime bien la musique avec Vanessa Paradis. Ah, je la hais, voilà. Je vais revenir. Voilà. Waouh, wow, toute la Nekfeu vibe là, il va me tuer. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est dans l'univers feat Vanessa Paradis. Dans l'univers. Ah, ça va être. Je suis up. Mais moi, il y a plein d'albums de rappeurs que je déteste. Voilà, alors que les rappeurs, tu les kiffes. Alors, c'est ça. Voilà. Et t'as pas dit du Popular Opinion? Il a pas dit une Popular Opinion. Est-ce qu'il y porte des chaussettes sur le. J'aime pas beaucoup. Même. Pas du tout la musique de Gazo. Ah ouais? Sauf le son qui l'a fait péter. Tu devrais faire 4? Le feat avec Timal est incroyable. Non, mon meilleur son avec Gazo, c'est Passe-moi à Villachin. C'est incroyable. J'aime bien Gazo. T'as dit qu'il détestait. Il est trop sympa, Gazo. Eh, Gazo, par contre, là, je vous parle humainement, genre, ouais, des rappeurs les plus gentils que j'ai jamais croisé de ma vie. Gazo, ultra gentil. Nekfeu. Alors lui, je crois que c'est la personne la plus gentille au monde, genre. Il y a Gandhi et après il y a Nekfeu. Non, quand même pas, t'as capté. Genre vraiment, il se prend pas la tête. J'aime bien les gens comme ça, en fait, tu vois, en mode de pas rempli et tout, tu vois. J'en ai croisé des remplis, hein. Beaucoup, tu vois. Dont un très connu. Pour lui, dans sa tête, c'est Michael Jackson, t'as capté? Et c'est pas du tout Michael Jackson. Et il sait pas faire le moonwalk? Mais ça, c'est comme ça. Je ne dirai point le nom, mais tout le monde le connaît. Il est dans ce jeu? Ouais, il est là.
Ah, les gens, ils vont faire des théories. Manche suivante. Top, comme Hitman résout litige, touche la femme, je peux. Et en fait, l'erreur, j'ai ramené deux pulls, mais il y en a 67 dans ma voiture. 667 dans sa voiture. En fait, t'es le Père Noël, mec. Tu me ramènes une bague, t'es un tueur, mec. T'es un tueur de fou. T'es un tueur de fou, merci. Bah, merci beaucoup, mon ref. T'inquiète, tout le monde en aura. J'aime pas faire des jeux. T'es prêt, monsieur? T'aimes bien? Tu le détestes pas, lui? Tu chies pas dessus? Vous avez votre artiste? Ouais. Y a pas tant de locks que ça. Moi, je pense que cheveux longs, c'est une bonne idée. Là, les cheveux longs, votre rappeur? Non. Tac. Damso, il a pas les cheveux longs. Tac. Ah, t'es bon, Théodore. Tu vois ce que je veux dire? Noé, il se dégage. Il est doué. Est-ce qu'il a un couvre-chef? Casquette d'ourague. Ouais. Ok, ça dégage. Donc là, avec une seule question, on en a éliminé la moitié. Vous le demandez aussi, tiens. Est-ce qu'il y a un couvre-chef? Tout ce qui peut être sur la tête. Non. On enlève ceux qui ont un couvre-chef, ouais. On enlève ceux qui ont un couvre-chef. Bœuf. Let's go, c'est bien. On est chaud. Là, je fais confiance à mon partenaire de toujours. Est-ce que son blaze est en deux mots? Non. Tu vois, là, il y a pas mal de lunettes. Là, pas beaucoup de lunettes. On peut demander des lunettes, comme ça, ça nous met une... Ça nous coupe en deux. Vas-y, Wadou. Est-ce qu'il a des lunettes? Il a des lunettes. Oui. Il a des lunettes sur la photo? Ok, on enlève tous ceux qui ont pas de lunettes. C'est bien, ouais. Mais oui, non, on garde ceux qui ont des lunettes. Est-ce qu'on voit ses yeux? On voit ses yeux? Ouais. Oh là là. Oh, ça vous régale, ça. C'est mon gourmand. Voilà, regarde. Tentez. Moi, j'ai envie de dire ça. Voilà, non. Tu prends pas de risque, t'as rien. Paf, allez, fais-le. Vas-y. Allez, reste là, fais-le, paf, mec. Voilà, c'est tout. Et je sais que tu vas gagner. Moi aussi. C'est James. Bah, dégage de là, mon gars. Est-ce qu'on voit les yeux? Non. Ok, mais c'est pas grave. Hop là, le bip, Damso. Et non. Et voilà. J'ai trop la haine. Par contre, il y a un temps imparti, hein. C'est pas éternel, les frères. Comme la vie, finalement. Pas mal. C'est un grand philosophe, hein. Sa chaîne YouTube, c'est sur la philosophie. Pas vrai du tout. Ah, c'est faux. Je suis sale bâtard. Comme ça, lui parler après. Ça tirait un peu, Yimba. Hein. T'as eu combien en bac de philo? 16, hein. C'est quoi une note, finalement? La tête de homme, j'ai eu 10, alors que toute l'année, j'avais 17. Mec. De philo, frère. Mais la tête de homme, pareil. De philo, frère. J'étais trop fort. J'ai eu 9. Est-ce que il vient de Paris? Mouais. Oui ou non? Mouais. C'est moi, quoi. Mouais, ouais. C'est pas 7-5, quoi. Une question, en plus. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Il nous en reste 3. Là, on peut soit buzzer, soit poser une question, mais ils vont gagner. Buzzer, donc, faut buzzer. Vous êtes obligé de buzzer. Oh. Gizmo. Ouais. C'était Booba. Let's go. Le bluff a marché, la famille. Let's go. Tu dois insulter Booba. Insulter Booba. C'est Booba, on respecte, c'est un tonton. Hein. Bah ouais, de ouf. Une grande personne, attention. Faut lui enlever Instagram, mais c'est... Faut lui enlever Insta. Je n'aime pas Orelsan, on en parlait tout à l'heure, et je n'ai jamais écouté un projet jusqu'à la fin. Et j'avoue avoir menti à certaines personnes et avoir dit « Ouais, jusqu'au bout. » Genre moi, genre. Ouais, par exemple. C'est pas ma cam, malheureusement. À toi, frérot. Aurel... À toi, frérot. Je croyais échapper deux fois, frère. Putain, j'ai trop peur. Désolé, gros. Attends, venez, on trouve un rappeur, on lui dit, on va voir ce qu'il pense. Qu'est-ce que t'en penses? Attends, viens, on fait un truc de bâtard. Bah, Freeze Corleone, alors. Ouais. Dis-nous tout. C'est quoi le problème? Je pensais que tu le dirais pas. Tu m'as grillé, là. Tu t'es grillé. Ouais, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était une alarme nucléaire, frère. C'est Freeze qui arrivait aussi. T'écoutes pas tant de musique que ça? Non, pas d'ouf. Quand c'est ton travail, ça te fait chier. Tu vois, je consomme pas trop YouTube. Moi, je consomme YouTube. Moi, j'ai terminé YouTube, l'aventure. Tu l'as terminé? Ouais, j'ai tout fini. T'es parti niveau combien? Je suis parti dans des documentaires. Et j'en parlais, tu sais, que j'ai rencontré Freeze. Ah ouais, je sais, il m'a dit ça. C'est lui qui montrait ses vidéos. Il m'a dit, tu connais lui là? Et il en pense quoi? Non, rigolo, c'était cool. Et bah du coup, ouais, il m'avait parlé qu'il était sur YouTube, mais qu'il regardait que des documentaires très sombres. Ah non, mais t'inquiète. Très deep. Ah non, mais je suis enfermé mes volets, on va avoir des trucs, t'as peur. Moi, ce que je vous propose, c'est que là, on a très bien joué. On a bien joué. Est-ce que on tirerait pas un petit peu, là? Avec des... Des répliques. Ouais. Toujours des répliques pour la censure YouTube. Non, c'est quoi que tu tires comme balle? C'est des crânes, des causes... Non. Mais ça rentre pas. Putain, mec. En fait, ça, faut une catégorie pour l'avoir. Ah, parce que 70 joules, ça limite à plus en France en législation. C'est vrai. Bon, t'es pas obligé d'en mettre 20. Si. Ah. Juste pour moi.
c'est un jeu, hein, c'est... ça passe sur YouTube facilement, moi je regarde des vidéos de ça. YouTube, c'est une réplique. Ouais, wow, c'est totalement une réplique. Bah, ils vont le voir, ils sont pas cons. Ça fait trop peur, je te jure, ça fait trop peur. Attends, je me mets derrière toi. Attends. Pour des raisons évidentes, cette séquence sera coupée et disponible uniquement sur mon Instagram. Oh la la, c'est ok? Tout se passe bien? Je sais, mamie les armes, je suis là. Il y a la mort qui nous guette. Les refs, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci aux personnes qui étaient présentes d'avoir participé. La fin était un petit peu approximative, mais on a kiffé, c'est le principal. Là, on va aller se faire un petit resto tous ensemble. On va profiter du beau temps d'Angers. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Des bisous.